Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Enfin, moi j'ai l'impression que ça faisait longtemps. C'est peut-être dû au confinement. Le temps passe beaucoup plus lentement. Bon bref, du coup dans cette vidéo, je vais te montrer mes créations du mois de février et j'ai pas chaud mais... Tu sais, d'habitude j'en fais une vingtaine par mois. Bah là j'en ai fait le double, si ce n'est plus. Bah, y en a énormément, donc je vais essayer de le faire très vite. Tu m'abandonnes? Donc je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai confiné tout le monde dans leur chambre. Les filles sont dans leur chambre sur leur téléphone, alors ça, jusqu'à ce soir je suis tranquille. Et monsieur est en train de regarder la télé dans la chambre. Donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi hein, parce que je sais que lui il va réappliquer dans pas longtemps. Et c'est hors de question que je fasse des vidéos devant lui. Je suis pas à l'aise avec lui, pas du tout. Qui fait tout le temps le con derrière moi donc... Enfin bref, là n'est pas le temps qu'il y aura le confinement, et ben je vais pas pouvoir faire des vidéos comme ça, face caméra. C'est, avec les trois là, c'est pas possible. Donc là je leur ai dit, laissez-moi juste 20 minutes tranquille, s'il vous plaît. 20 minutes. J'ai compté. Donc du coup voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de temps devant moi, donc il faut que je fasse très vite. Et pour ça, il faudrait peut-être que j'arrête de parler. Viens. Tu es beau mon bébé. Oh qu'il est beau mon loulou d'amour. Oh ouais. Oh qu'il est beau mon bébé. T'es beau, regarde comment t'es beau. Regarde, ouais. Petit bisou. Il y a un petit truc que je voulais te dire, que j'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps maintenant, et c'était un flop total. Mais je relance le sujet. Peut-être que ça aura changé d'ici là. Mais ce que j'aimerais bien faire. Pour être plus proche de toi, parce que là c'est que du virtuel et moi je voudrais du réel, c'est plus sympa le réel, et ben je voudrais t'envoyer une petite carte, si tu le veux bien sûr. Donc si ça t'intéresse, et ben, tu viens me voir en privé et on parlera de ça plus en détail, mais je n'attends absolument rien en retour. C'est moi qui t'envoie une petite carte avec un petit mot de ma part, une petite carte toute simple, hein. Je suis pas une spécialiste dans le scrap, j'en ai fait il y a plus de 10 ans. Et ça me plaisait pas spécialement, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais du coup, je fais avec les moyens du bord une petite carte toute simple. Voilà, et c'est histoire d'être plus proche de toi, quoi, puisque là c'est que du virtuel. Donc c'est pas rigolo. Et j'attends absolument rien en retour, hein. Je t'envoie une petite carte juste pour le plaisir. C'est tout. Voilà. Mais si jamais ça te dit de recevoir une petite carte de ma part, et ben tu n'hésites pas à venir me voir en privé. Voilà, toute simplicité, sans chichi, sans rien. Vraiment le plus simplement possible, mais c'est fait avec le cœur, donc c'est le plus important. Donc toutes les créations, enfin toute une bonne partie des créations que j'ai réalisées, je les ai poncées à la main, comme à chaque fois, comme tous les mois. Dans le mois dernier, j'en avais pas. Mais bon, voilà, c'est bon. Et là, ce mois-ci, j'en avais énormément. J'en voyais pas de bout. Oh mon Dieu, quand est-ce que ça va finir? J'en ai marre. C'est rien, chiant de poncer à la main. Et puis là, vu que j'en ai fait une bonne quarantaine de bijoux, il y en a une vingtaine, plus une vingtaine que j'ai dû poncer à la main. Donc j'en avais un petit peu marre. Et j'avais un peu des crampes aux doigts aussi. Et comme à chaque fois, quand tu verras cette vidéo-là, tous les bijoux seront disponibles sur la boutique. Et tu peux retrouver le lien en barre d'infos. Alors j'espère que j'aurai le temps de mettre tout avant que la vidéo ne sorte. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, les jours qui suivront, ça sera fait. T'as compris ce que je voulais dire. Voilà. Alors pour le moment, la boutique est entre guillemets fermée à cause du confinement, parce que j'ai pas le choix. J'ai eu plusieurs commandes en plus pile poil à ce moment-là et je leur ai dit excusez-moi, mais je peux pas expédier votre commande. J'ai aucune poste qui est ouverte dans le coin où j'habite, quoi. La plus proche est à une demi-heure de voiture et je me vois pas prendre la voiture pour 30 minutes. Sachant qu'il y a les filles, donc j'ai pas envie de me prendre une amende et en plus prendre le risque de tomber malade. Hein. Donc pour le moment, je peux pas expédier vos commandes. Vous comprenez un petit peu quand même. J'ai voilà. Mais la boutique reste. Enfin, elle est fermée, mais pour moi, elle reste ouverte parce que je suis toujours là. Je suis toujours ouverte à toutes les propositions, mais c'est que pour le moment, je peux pas expédier quoi. Faut attendre que le confinement soit terminé. Et ça peut prendre du temps. Tu te souviens de moi? Ça fait longtemps que j'avais pas fait mon petite apparition. En bref, je voulais juste te dire que j'ai pas parlé du confinement lors de cette vidéo, parce qu'en fait j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai pas envie de parler de sujets qui fâchent, si tu vois ce que je veux dire. Hein.
Mis à part pour une avant-garde concernant la boutique, mais ça j'étais obligée d'en parler. Faut bien prévenir les gens quand même, c'est la moindre des choses. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un très bon confinement et surtout prenez soin de vous, ainsi que de votre entourage. Et on espère que tout ça sera vite de l'histoire ancienne, histoire qu'on passe à autre chose quand même, hein. Ce serait bien, mais bon, on a le droit de rêver, hein. C'est mal barré. C'est un rire nerveux. Il y a plein de choses que j'ai oublié de dire dans cette vidéo, mais j'étais tellement stressée qu'ils soient tous autour de moi que j'ai oublié de dire plein de choses. C'est pas grave, hein, je les dirai la prochaine fois, puis c'est tout. Voilà. Donc c'est parti, j'arrête de parler et je te montre tout de suite les créations du mois de février. On y go. Non, c'est du mois de mars. Et depuis tout à l'heure, je dis février, mais c'est au mois de mars. Oh, purée. J'en ai marre de moi. Du coup, je répète, j'arrête de parler et on commence tout de suite avec les créations du mois de mars. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai un très très gros coup de cœur sur les perles en fleurs lucides. J'adore ces perles-là. Oh, je les kiffe de la mort qui tue. Et du coup, je me suis amusée à réaliser 3 petites paires de boucles d'oreilles que j'offrirai en cadeau pour l'achat de n'importe quel bijou sur ma boutique. Voilà, c'est 3 petites boucles d'oreilles en plus dans ma collection des cadeaux. J'ai eu un réel coup de cœur sur cette paire de boucles d'oreilles. Alors au pire, je pourrais toujours faire une, hein, mais la petite bleue là, j'aimerais bien la garder pour moi. Elles sont toutes en longueur, toutes pendantes. Elles sont super grandes. Moi j'adore. Donc on commence tout de suite avec 4 nouvelles petites broches. C'est cool. J'avais envie de refaire des petites broches. Donc j'en ai fait 4. Dans le même style. C'est juste les couleurs qui changent. Et la forme un peu. Enfin bref, regarde. Donc voilà, j'ai réalisé 4 petites broches en forme de chat. D'avoir quand j'étais petite et que c'est jamais arrivé. Pourquoi? Je sais pas. Du coup, bah là, j'ai été nostalgique et j'ai voulu en réaliser une en porte-clés. Il s'agit d'une basket, une Converse, une All-Star plus précisément. Donc voilà, je me suis amusée à réaliser une All-Star en porte-clés et rouge bien évidemment parce que j'adore le rouge. Alors, j'ai jamais eu le plaisir d'en avoir en porte-clés, mais j'ai le plaisir d'en avoir en vrai. J'ai 3 petites paires de Converse et moi je suis très contente. J'aimerais bien en avoir une 4e d'ailleurs. J'adore ces baskets-là. Que j'ai réalisé, eh bien, il s'agit de la lampe d'Aladin, enfin le génie d'Aladin. Voilà, et ça c'est pareil, ça faisait un moment que je voulais faire cette lampe là, et bien maintenant c'est chose faite. Et j'ai rajouté un petit tigre par rapport au clin d'œil à Jasmine, pour rester dans l'univers d'Aladin.
des parures. Voilà, j'en ai qu'une. Bref, du coup, c'est une parure avec des petits coquelicots. Vive le printemps, c'est ma saison préférée, j'adore le printemps. Du coup, voilà, j'ai voulu faire des petites fleurs et je me suis dit pourquoi pas des coquelicots. Ça fait, je crois, ouais, j'en ai dû en réaliser qu'une seule fois des coquelicots dans ma vie. Là, c'est les deuxièmes. Donc voilà, le pourquoi du comment. Ensuite, je me suis amusée à réaliser 4 petites pastilles en collier. J'aime bien faire des petites pastilles en collier. Des petites pastilles, tout ce qui est de plus simple. Mais là, elles sont hautes en couleur. Enfin, non. Enfin, regarde, tu verras par toi-même. Donc, j'en ai réalisé une mauve, une bleue, une rouge et une jaune. Des petites pastilles tout simples, mais à chaque fois, elles sont différentes. J'aime bien les lanternes, j'adore, j'en fais une collection. J'en ai que 4 pour l'instant. Non, 5. 4. Oui, j'en ai que 4. Mais je compte bien en avoir plus. J'en avais déjà réalisé une il y a quelques temps. Et bien voici la deuxième. Complètement différente par rapport à la première. Deux bijoux suivants, c'est ce qu'il y a de plus basique, de plus simple. C'est de la truche, je dirais même. Alors, faut dire les choses comme elles sont. J'ai fait deux bijoux avec du silk screen. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, tout le monde peut le faire. C'est vraiment la base de basique. Voilà, basique. C'est Orelsan qui dit ça. C'est avec de la feuille d'argent. Et en plus de ça, il y a une petite paire de clous dorés assortis qui est offerte en cadeau. Je dis ça, je dis rien. Ils sont tout en rose. Bah oui, du rose. Je déteste le rose, mais j'aime bien en faire en bijou. Pourquoi? Je sais pas. Bref, du coup, voilà. Et à chaque fois, pour chaque collier, il y a une petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Avec un petit collier effet nacré. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait du nacré. Et bien voici un petit collier. Et avec une paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Petit collier, c'est avec mes amis les animaux. J'adore les animaux, hein. Si c'est comme ça, moi j'aime. Enfin bref, et du coup là, non, pas les quatre,
Mais 3 sur 4. Ouais, 3 sur 4, ce sont des reptiles. J'adore les reptiles. J'ai eu des serpents, j'ai eu des caméléons. Un caméléon. Enfin bref, on aime bien les reptiles ici. Et je crois qu'on va bientôt en prendre un autre. Non, faut qu'on se calme, je crois qu'on a assez d'animaux comme ça. Et donc voici le tout premier, il s'agit d'un petit caméléon. Sur sa branche avec des feuilles et des roses. Le deuxième, il s'agit d'une mini. Elle est toute petite, toute mignonne, moi je l'aime beaucoup. C'est une petite tortue. Par contre celle-ci, comparée aux autres, j'ai fait vraiment très fadouilleux. Elle a aucune couleur. Je suis restée dans les tons neutres. Voilà. Le troisième petit collier animaux, eh bien c'est un petit serpent tout vert. Alors là, je crois que des serpents comme ça, ça n'existe pas. Je suis pas sûre, mais bref. Il est un peu imaginaire celui-ci. Et du coup, il est enroulé autour d'une clé. Et on termine avec le dernier collier animaux. Il s'agit de mon animal fétiche, le petit renard. Depuis que je fais de la polymère, j'ai fait vraiment pas mal de renards et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc voici un nouveau petit renard. Et je vais terminer tout de suite avec les derniers bijoux, et là en tout il y en a 21. Je les ai comptés, je me suis fait chier, ça fait 8 jours exactement. 8 jours que je suis dessus, que je travaille dessus. Non, peut-être pas non-stop. Mais un petit peu tous les jours, mais ça a duré quand même 8 jours. Et j'en ai ras le cul. J'en voyais pas le bout, putain. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ça en finit pas. Et en tout, il y en a 21. Et en fait, pour t'expliquer le pourquoi du comment, enfin non, je sais pas, ça fait deux fois que je dis cette phrase-là, je sais pas pourquoi. En fait, pour t'expliquer, je suis une amoureuse de la marque Desigual. J'adore cette marque-là. Mais bah, elle est pas pour mon porte-monnaie, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Il y a que deux marques dans la vie que j'aime absolument. C'est Desigual et Morgan. J'adore ces fringues-là. Toute leur collection. À chaque fois, je suis en admiration. Mais c'est... Ils sont en train de se battre. C'est pas du tout pour mon porte-monnaie. À chaque fois que je vais là-bas, c'est seulement au moment des soldes. Sinon, c'est mort. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai voulu lancer une collection de bijoux inspiration Desigual. Mais finalement, il s'est avéré que ça ne ressemble pas du tout à Desigual. C'est vraiment une très légère inspiration, mais avec... Tu vois ce que je veux dire? Partie de mon imagination, je suis partie je sais pas où. La seule chose qui représente Desigual, c'est que c'est en couleur. C'est tout. En dehors de ça, ça ressemble pas vraiment. En tout cas, je trouve pas. Enfin bref. Au début, j'ai voulu m'inspirer du sac à main que j'avais acheté chez Desigual, et puis finalement, je suis partie en freestyle. Bref, voilà, du coup, j'arrête de pleurer, et je te montre quand même, du coup, j'ai appelé ça quand même comme ça. Merde. Non, je suis pas malade. une collection de bijoux inspiration Desigual. Voilà, donc du coup, je te laisse regarder ça en musique, ça sera beaucoup plus sympathique. Et petite chose en plus, pour chaque bijou, absolument chaque bijou, il y a une paire de boucles d'oreilles assorties en cadeau. Alors je sais pas si je vais penser à chaque fois à te montrer la boucle d'oreille en cadeau, mais à chaque fois il y a une paire offerte en cadeau, assortie. Voilà, bref, du coup maintenant je te laisse regarder la collection Desigual. Encore un autre petit plus, il y en a pour tous les goûts. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs tailles et il y a plusieurs formes. J'ai fait vraiment de tout. Il y a des bijoux très simples, parce que chez Desigual, c'est pas forcément tout le temps coloré. Parfois, c'est uni. Parfois, c'est plus simple. Il y en a vraiment pour tous les goûts aussi chez eux. Et dans les bijoux que j'ai voulu faire, c'est pareil. Il y a des bijoux beaucoup plus simples, d'autres beaucoup plus complexes. Il y a des bijoux beaucoup soft et d'autres beaucoup plus colorés. Voilà, du coup, il y en a pour tout le monde. Et voilà. Et je vais terminer encore un autre petit plus. Je vais terminer avec mes trois petits colliers fétiches de cette collection-là. Je les adore. Oh, j'hésite à les garder aussi pour moi. Ce non, c'est pas bien. Non, ils seront aussi disponibles sur ma boutique. Mais c'est mes trois petits... C'est mes trois petits chouchous. Mes trois petits coups de cœur. Donc je les garde pour la fin. Voilà. Bref. Vas-y, j'arrête. J'arrête de parler maintenant. Et je te laisse regarder.
très légèrement. Parce que je suis partie en freestyle. Mais tu l'as compris. Bref, voilà. Du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai fait tout le tour des créations que j'ai réalisées tout au long du mois de mars. Que je me trompe pas. On n'est pas en février, on est au mois de mars. Et puis bah voilà. Il y a d'autres bijoux que j'ai réalisés au mois de février. Mars. Au secours. Mais ils sont pas encore terminés. Donc du coup, je peux pas te les présenter dans cette vidéo-là. Et en plus, c'est des créations tuto. Parce que là, dans ce que je t'ai montré, j'ai fait aucun tuto. Tous les autres tutos, ils sont pas encore finis, ils sont encore sur mon bureau. Bah, du coup, tu les verras que le mois prochain. Enfin bref, voilà, du coup, pour cette vidéo-là, c'est fini. J'en ai fini. Donc du coup, il va falloir que je coupe court à cette vidéo. Comme à chaque fois. Je viens de les compter, en tout, j'ai fait 43 bijoux. 43. Je suis folle. Du coup, si jamais tu as des idées de tuto, bah, n'hésite pas à me les faire savoir, parce que si je peux le faire, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Faut juste me laisser un peu de temps. Mais ça viendra, parce que j'ai qu'une parole. Donc voilà. Et dans tous les cas, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Même si je suis longue à la détente aussi de ce côté-là. Et bah je réponds quand même, parce que c'est la moindre des choses. Si tu viens me voir pour me parler, la moindre des choses, c'est que je te réponde non. C'est de la politesse. Moi, je vois les choses comme ça. Ceux qui répondent pas, je trouve qu'ils sont... Je vais m'abstenir de dire quoi que ce soit. C'est irrespectueux. Voilà, on va faire les choses simplement. Bref, du coup, c'est tout. Donc, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Alors, c'est tout. Purée. Faire les câlins du bébé. Bon, bah oui, non, bébé d'amour. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon bébé, il fait des câlins. J'essaierai de tenir la cadence de une vidéo par semaine quand même, même si avec les trois moustiques, ça risque d'être compliqué. Mais je vais faire de mon mieux pour continuer sur ma lancée d'une vidéo par semaine, tous les vendredis à 9h du matin. Voilà, moi je dors encore à cette heure-là, mais c'est pas grave. Putain, puis il y a des gens qui jouent dehors, quoi. Oh, comment ça m'énerve, les gens qui respectent rien, hein. Donc j'en ai fini, ça y est, j'arrête. J'arrête sur une note câlin. Alors je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Petit câlin. Tu fais des bisous. Oh regarde mon bébé. Je l'ai enfermé. Je sais même pas si on le voit d'ici. Oh le loup d'amour. Oh, t'as un manque de câlin, mon bébé. Oh, qu'il est beau, mon loulou d'amour. Il fait dodo. Il fait dodo. C'est rapide chez toi, hein. Moi, je peux pas. Il me faut 3 heures minimum. Hein. Comment ils font, les gens, pour s'endormir comme ça? C'est dingue, hein. J'arrive pas. Attends, je vais couper la caméra, puis je reviens vers toi, d'accord? Je reviens, mon bébé. 2 secondes. Faut que j'éteigne la caméra, quand même, merde. T'es sage? Pas de bêtises, hein? D'accord, mon bébé? Mais tu manges mes cheveux là? Un malek. Mignon. Dis maman. Tu viens ou pas? Tu veux pas venir? Et je tremble. Pourquoi je tremble? Tu viens ou pas? Non? Tu veux pas venir avec maman, mon loulou? Allô, mon bébé? Petit bisou. Même petit bisou, tu vas pas faire des bisous à maman? Hein, mon bébé? Oui.
Tu goûtes, tu goûtes.